110, Bourdon, Buzelli, Boulet du Parc, Pérez, tous poètes naissants et anciens condisciples de Louis le Grand. Ce petit monde se retrouve à la Closerie des Lilas, dont Salmon et Paul Fort se vantent d'avoir fait la réputation, et ce célèbre café réunit républicains et admirateurs de Jaurès. Une fois par semaine, Guy du Costal quitte le cercle des poètes pour retrouver dans le retrait enfumé d'une boutique de la rue Mouffetard des étudiants socialistes réunis autour d'Henri Laugier, car Robert du Costal se passionne pour la politique et affronte parfois durement les bateleurs de l'Action française et des canaux du roi violemment engagés contre la République. Mais la Grande Guerre va disperser ces jeunes hommes, ces jeunes poètes, cette génération militante de la mort. Car Robert, Yves Guy Robert du Costal et Yvonne Le Marec, nés à Lorient en 1899, sont en effet d'une génération infortunée. Une génération qui a vu coïncider le moment de son passage dans la vie avec l'arrivée de ces grands et effrayants événements du XXe siècle. Robert du Costal sera d'ailleurs de cette guerre affreuse de 14-18.